Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Resident Evil 4. On venait de sortir de la maison de l'enfer et là très clairement je pense qu'on va retourner en enfer. J'appréhende énormément ce passage parce que j'avais oublié qu'il était ultra compliqué. Après être sorti de la maison, tomber sur ça, j'étais pas prêt et je l'avais totalement zappé. Écoutez-moi bien, soit on va à gauche et on affronte le El Gigante dans le long couloir et il est très difficile à tuer. Soit on va à droite et on affronte plus de mecs qu'il y avait dans la maison, dont un boss très compliqué. Vous savez quoi? Je pense qu'on va tenter le El Gigante. On va tenter le El Gigante parce que... Oh là là, je vois pas... On va tenter à gauche. On va tenter à gauche, finalement. Les gars, on va prendre le village. On va soulever la moitié du village. Parce que le El Gigante, je le sens pas. Il est très compliqué dans mes souvenirs. Et d'ailleurs, je le choisissais, quasi jamais. Tellement il était assez conflictuel. On est parti. Putain, Ashley, elle a plus de vie. Je suis pas bien. Quand je vous dis que les gars, on va vivre l'enfer... même l'enfer à côté, il a meilleur goût. Tu vois ce que je veux dire, Miskina? Allez, on est parti. Donc, toi, souffle-moi la gueule si tu veux. Voilà. Ok. Wouah, putain. Souffle-moi la gueule. Voilà. Oh là 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 là. Ça va être dur, ça va être dur. Ok. Voilà, lâche ta pioche, toi. Waouh. C'est moi où j'ai échappé à la mort un petit peu, là. Oh putain, il va se transformer. Ah, c'est terrible déjà, c'est terrible, les amis. C'est terrible ce qu'on affronte. Heureusement qu'ils peuvent plus courir quand ils ont leur truc à pousser sur la tête, là. Dégueulasse. Toi, tu restes là-haut. Là, 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 là. En plus, je crois que il y a moyen que la meuf derrière se transforme aussi. Oh là là, mais merde, par contre. Non, ça va, il se transforme pas. Ok. C'est vraiment fini, là? J'y crois moyen. Bref, on va affronter quelque chose de très très chaud. Mais genre vraiment très très chaud. Ok. On va recharger, je pense... Mon fusil à pompe. Très bien. Je ne voulais pas faire ça. C'est pas grave. C'est pas grave, quitte à utiliser des balles. Ah, ça va être terrible, ça va être terrible. J'appréhende parce que j'ai souvenir que c'était vraiment pas facile. Salut frérot. Hop, on va essayer. On va essayer d'économiser pas mal de balles. Putain, les petits critiques qui collent, c'est vraiment sympa, par contre. Ouais, c'est des petits trucs sympas, quand même. Ok. Putain, il y a encore du monde là-dedans. Oh, ça va être chaud, putain. Non, j'ai fait une erreur. Attends là-haut, attends là-haut. Parce que ça va partir en couille très très vite. Quoi? T'es déjà là. Hop, c'est cadeau. J'ose pas trop m'approcher parce que... Oh putain, c'est pas vrai. Parce que s'il y en a d'autres... Oh là là, il y en a encore deux là-haut, là. Je suis en train de soulever leurs potes alors que les mecs... Putain, mais c'est quoi ces conneries? Ah ouais. Ok, vas-y, viens. Viens, ma soeur, dépêche-toi. Dépêche-toi, viens dans cette poubelle. Cache-toi dedans. Non! Mais wesh! Il m'a fait perdre la vie! Mec, tu m'as juste attrapé, tu n'avais pas de tête, tu n'as pas pu me faire... Mais c'est pas vrai, c'est terrible. C'est terrible. Comment t'as fait pour me faire perdre la vie, sérieux, Miskina? Oh putain, oui, ça je vais en avoir besoin. Ça, je vais en avoir clairement besoin. Ok. Bon, il est temps de recharger. Putain, balle de pompe, j'en ai pas des masses. Quoi? Vas-y, viens me cracher à la gueule. J'avais oublié que toi, tu me crachais pas la gueule. C'est le genre de détail qu'il vaut mieux ne pas oublier.
Vas-y, meurs. Ok. Bon, alors là, je sais pas comment vous expliquer que ça va être très difficile. Mais genre vraiment très difficile. On est parti. Oh là là. Bon, je vous présente les jumeaux. Bon, là, sur le coup, c'est les jumelles. Je vous présente donc les jumelles. Vous savez, il y avait des jumeaux qui étaient enterrés dans le cimetière. Bon, bah voilà leur frère, enfin leur sœur sur le coup. Et je n'aime pas ça. Ok, peut-être ça, non ? Ils utilisent les attaques. Oh putain. Attends, fais pas la con. Ok. What ? J'ai failli mourir déjà ! Les gars, s'il vous plaît ! Oh là là, c'est terrible tout ce qui se passe ici. Ok. Je sais pas comment je vais réussir à les gérer. Un petit coup de mitraillette peut-être. On va pas lésigner, hein. On va pas te faire traverser. Toi, tu meurs. Oh, les gars. Relevez-vous pas. Non ! Salope ! Oh putain. Reste à terre. Ok. Ça, c'est très bon, ça. Je pense qu'on s'en est très très bien sorti finalement. J'ai pris un dégât un peu dégueulasse, mais c'est pas dégueu. Ok, ça dégage. Yes! La clé du champ, c'est fait. Waouh! Sérieux, gros? Waouh, les gars! J'ai plus de grenades, j'ai plus rien, moi, hein, avec vos conneries là. Ah non, ça c'est chiant, par contre. Ça c'est chiant, vous voulez pas me laisser tranquille, genre 2 secondes. Merci. Ok, c'était dur. Je trouve qu'on s'en est bien débrouillé, qu'on s'est bien débrouillé, et qu'on s'en est bien débarrassé sur le coup. Par contre, pas évident, hein. Pas évident, très clairement. On va remettre ça en place, parce que bon, hein, je suis quand même, j'ai besoin d'avoir une petite issue de secours au cas où ça repart en couille. Donc voilà, je vous ai présenté, c'était les jumeaux, j'espère que ça vous a plu, parce que eux, en tout cas, ils avaient faim, ils avaient la dalle, les gars. Waouh, il me reste plus grand-chose. Au final, on va peut-être acheter le sniper plus tôt que prévu, parce que là, il me reste réellement plus grand-chose. Ok, on va pouvoir passer par là. Qu'est-ce qui se passe ? Cinématique ? Yes. Fallait juste que j'utilise la clé. Bon, Ashley, t'es où ? Non, mais fais un effort, ma sœur ! Arrête un peu, je t'ai installé une échelle de l'autre côté de l'arène, t'es con, putain. Tiens, et tu sais quoi, je te la remets parce que t'as l'air littéralement conne. Tu me feras le plaisir de l'utiliser, d'accord? Allez, c'est parti. Et c'est pas terminé. Et c'est pas fini. Il va y avoir encore des embrouilles dans le ghetto. Il y a quelque chose derrière, j'ai loupé quelque chose, là, bougez pas. Quelque chose me taraude. Vas-y, viens, Ashley. Quelque chose me taraude et c'était ici. Tiens, attends-moi ici parce que tu vas me saouler, monsieur. Pardon. Genre réellement dessus. Ok, qu'est-ce que c'est? Y'a rien dedans, vraiment? Bah les gars, ok, pissez-moi dessus, mais n'hésitez pas quoi, lésignez pas surtout, hein, parce que là, sérieux. Ok, c'est pas grave. Un peu déçu. J'ai pas mal d'armes de pistolet. À niveau soin, c'est chaud. Putain, Ashley, elle est tellement dans le mal, ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier qu'elle soit autant dans le mal comme ça, la miskine. Ok, c'est pas grave. Vas-y, viens, Ashley. Follow me, Ashley. Ok. Ah oh, putain, elle sait pas prendre une échelle. Elle sait réellement pas prendre une échelle, je crois. Ah, je sais bien que t'es la fille du président, mais putain, le président, franchement, je vais le voir, je vais lui mettre 3 escabeaux dans le trou de balle, ça va lui faire tout drôle, hein. Ah ouais. Putain, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Oncle Jackie. Ok. J'ai beaucoup de munitions avec ces conneries, là. Je pense en avoir beaucoup, pardon. J'ai fait table, j'étais pas prêt. Quoi ? Genre réellement ? Réellement, vous êtes des millions ?
va essayer de paniquer le bal. Je dis ça, j'en ai à peu près. Ok, on est pas mal, on est pas mal. J'ai plus de balles de pistolet avec ces conneries. Nickel. Ouais, non, mais là, c'est trop, les gars. Non, mais j'étais prêt, mais pas à ça. Pas spécialement à ça. J'étais prêt, mais pas spécialement à ça, miskin. Wow. Attends, cracheur de feu, gros. Et on est là, et le gars, il est au cirque Pinder. Putain. Vous êtes... Non, bah attends, toi, je... Hey, ça va aussi, hein. Je vais pas utiliser des munitions de pistolet, des munitions de 2 pour ta petite gueule. Ah, d'accord, elle s'en va. Ça l'a split. Oh, putain, ça, c'est relou. Ça, c'est relou. Allez, meurs. Meurs vite. Meurs très vite. Un peu plus vite, s'il te plaît. Ça va aussi. Ok, on ramasse toutes les munitions. C'est terrible. Terrible. Heureusement que je récupère pas mal. Oh ouais, putain, les munitions de TMP, ça me régale. Quand ils sont autant comme ça... Oh, ça a disparu. Jure la tête de ta... Oh, sérieux. Hein, ça, c'est cool. Putain, j'ai loupé... Je crois que j'ai perdu des munitions avec vos conneries. Ça disparaît trop rapidement, sérieux. Allez, prends. Ok. Ok. Là, clairement... On s'en est sorti moyennement. On s'en est sorti moyennement. Je trouve que j'ai utilisé un petit peu trop de balles et j'ai pas pu me refaire suffisamment. Pas très worse. Attendez. Ouais, j'ai 200 balles. Il me reste 200 balles. Pas fou, hein. Pas fou. Ok, il y avait un trésor par ici. Il était où? Ça serait pas mal qu'on le découvre, non? Bougez pas. Il était où? Trésor, frérot, où es-tu? D'accord, il était tout droit. Hop, vas-y, viens, Ashley. Je pense que c'est terminé, cette zone. Alors, là, je sais pas trop quoi faire. Soit on fait le beau jeu, on va affronter El Gigante. Donc, on aura affronté les deux passages, ce qui n'est pas obligatoire, évidemment. On aurait pu faire... Attends, reste ici, parce que tu vas me saouler, toi. On aurait pu faire le jeu sans l'affronter. Mais c'est beau jeu. C'est beau jeu si on l'affronte. Par contre, ça va m'enculer des munitions. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est très, très chiant. Donc, beau jeu ou pas beau jeu? Telle est la question. Y a plus rien? Non, là, y a rien, d'accord. C'est un peu une cave ghetto, ça. Beau jeu ou pas beau jeu? Mais au fait, j'ai ramassé le trésor. Non, je l'ai pas ramassé, le trésor. Il est par où? Il est par là, non? Yes. J'arrive, ma sœur. Ok. Bon, on va tenter le géant. Hein. On va tenter le géant. Yes, une game. Je crois que c'est elle. Une gemme, pardon. Je crois que c'est elle qui va sur le masque. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Et dans ces cas-là, s'il y a une gemme ici, ça veut dire qu'il y a une gemme aussi là où il y a le gros méchant. Et ça me paraît être logique. Tu confirmes? Est-ce que vous? Yes. Yes, ok, on va l'affronter, on va viser le beau jeu, les gars. Follow me. Vas-y, follow moi. Ok, on va faire le beau jeu, on y va, on fait demi-tour, on va enculer le bordel, le El Gigante, et puis on va voir un petit peu comment ça se passe. Par contre, les trésors disparaissent beaucoup trop rapidement, je trouve, et ça, c'est chiant. Il me semble qu'il faut pas que je passe la porte rouge, hein, pour affronter El Gigante. J'ai besoin de soigner Ashley, je sais pas, oh là 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 là, je sais pas quoi faire, je sais pas que faire. Je pense qu'on va acheter le snipe. Sérieux, putain, t'es chiante. Ashley, tu saoules, vraiment. J'ai envie d'insulter tous tes morts, Ashley. Est-ce que tu comprends ça? Ok. Vas-y, marche arrière. Bah les couilles. On va retourner voir le vendeur. C'est dommage que le vendeur ne vend pas un peu d'herbe verte. Ce serait sympa qu'il vende un peu d'herbe verte, le vendeur. On va faire les deux boss, comme ça fera notre vidéo. Double zone dangereuse. Putain, je sais même pas comment on a réussi à survivre. Si c'est sérieux. Optimisé, vous savez quoi? Ouais, je vais optimiser la puissance, je vais optimiser la contenance. Ah ouais, putain. C'est pas grave, on a pris suffisamment de trésors. On va sauvegarder, les gars, on va sauvegarder. Pourquoi? Parce que c'est gratuit, on sait jamais.
Là, c'est une période difficile de ma vie, je vous avoue. Voilà, je ne vous cache rien, les gars, c'est une période assez compliquée. Affronter le El Gigante comme ça, là, j'étais pas spécialement prêt. Mais bon, on doit le faire, on doit le faire. Allez, droite. Je sais plus, je crois que j'ai besoin d'acheter le sniper. Peut-être le sniper, ça ferait plaisir, non? Peut-être que le sniper ferait plaisir. What are you buying? Fusil. Ok. 12 000, j'ai de quoi l'acheter. Par contre, la question, c'est est-ce que j'ai assez de place dans mon inventaire? Miskin, tellement je me suis fait arracher que je pense avoir assez de place, de toute façon. Ok. Bon. Voilà ce qu'on va faire. On va déjà mettre mes balles de snipe ici. Je sais pas combien de place il prend, le sniper. J'en ai plus du tout... J'ai plus souvenir. Plus souvenir. Ça part tellement en couille dans le jeu que j'ai plus souvenir de rien. Ok. On va essayer de l'acheter, on va voir. On va voir, ça me paraît pas mal. Tiens, par contre, j'ai besoin de vendre un peu de spinel. Avec toutes ces conneries. On va en vendre deux, ça me paraît pas mal. Ok, on a vendu suffisamment de spinel. Fusil, ça vaut 12 000. Putain, sérieux quoi, tu casses les couilles. J'ai même pas envie de le faire au snipe tellement j'ai envie de l'arracher le bordel. Allez, achetez fusil. Bah finalement c'est worse, hein. C'est pas mal. Je pensais qu'il prendrait plus de place. Je pensais qu'il prendrait plus de place, très honnêtement. Ok, ça me paraît pas mal. Et donc le fusil, on peut l'améliorer. Ah oui, une balle, ça fait mal quand même. Hein. Ça fait mal, hein. Ok. Regardez ce qu'on va faire. Regardez ce qu'on va faire. On va garder les rubis parce que ça vaut quand même son petit pesant d'or. Et on va vendre 6, ça me paraît pas mal. On va en garder 10, toujours garder un petit peu. J'aime bien être organisé un petit peu comme ça, tu vois ce que je veux dire. Contenance. Ça me paraît pas mal. On va partir sur ça. On va partir sur ça, les mecs. J'espère que vous êtes chauds. Écoute, Ashley, je t'aime bien, ma sœur. Tiens, tu dis rien à ta mère. C'est cadeau, tu diras rien au président. Bon allez, on est parti les gars, direction le El Gigante, hein, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On va casser ça d'avance, parce que je crois que ça nous fait perdre pas mal de temps. Sérieux? Bon allez, nique ta mère. Je suis désolé là, ça, il m'a mis sous pression. Ok, on est parti les potes. Qu'est-ce qui va se passer? Yes. Ça, je suis pas surpris. Leon. Ok. Ça marche? Allez, ça a pas marché. Mais non! Mais il me bloque. Mais quel jeu de fumier, putain! Quel jeu de fils de pute! Je suis bloqué. Genre, lâche-la. Ok, comment vous dire que je suis assez énervé, assez frustré. Sérieux, j'en ai marre les gars. C'est même pas moi qui meurs, c'est ce truc chelou qui me bloque là, sérieux. Putain, les mecs. Ah, ça rend fou, hein. Ça rend fou. Hein. Oh bah putain, j'ai niqué les trois chaînes du premier coup. Là, ça rend littéralement, j'ai envie de péter des coups, putain. Ok, on la refait, mais en mieux s'il vous plaît. Allez, c'est part. Attends, ferme-la, toi, c'est pas le moment. Voilà. Allez. Non, toi, tu crains pas les balles, toi, c'est vrai. Il a pas soulevé, là. Toi, c'est vrai que tu crains pas les balles, toi, ma sœur. Non! Oh, putain! Ah! Lâche-moi! Lâche-moi! Voilà, ok. Lui ne craint pas les balles. Ok. Allez,
On va l'arracher. On va l'arracher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah putain, j'aurais bien voulu un 7ème. Oh là là, mais quelle idée. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourquoi j'ai voulu l'affronter? Qu'est-ce qui m'arrive? Quoi? Ah, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais mourir, je me suis dit, bah attends, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ok. Bah pour l'instant, les gars, pour l'instant, on n'est pas super bien. Allez, prends tes dégâts. C'est terrible. Allez, on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aïe 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 les amis. Les amis, il y a beaucoup de trucs ici. Oh bah je prends, moi je m'en bats les couilles. Oh, il y a la vieille clé. Oh, je pourrais me barrer. Je pourrais me barrer si je suis pas beau jeu, mais on va l'enculer. Ok. J'ai peur. Par contre j'ai peur. On va l'enculer mais avec une petite part de... Une petite part de peur quand même. Ah très bien, donc c'est moi que tu décides de soulever. Très très bien. Ok c'est bon, il ne me retire pas masse dégâts. Oh là là, c'est hyper hyper chaud. Je sais pas pourquoi j'ai voulu tenter le beau jeu moi avec vous là les gars, d'où on se connaît déjà. Aïe 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 aïe. Tu cours plus vite que moi, c'est assez assez gênant. Non, lâche-la! Lâche-la, non! Ok, c'est le dernier. C'est la dernière. Je crois. Dis-moi que c'est la dernière, parce que là, vraiment, j'en peux plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Il n'y a plus la musique. Waouh. Quoi? Oh putain, j'étais presque pas prêt. Oh là là, j'étais en train de me gratter le crâne tellement c'était chaud. Bon, tout ça pour 15 000 pesetas, c'est pas fou. J'ai plus de balles de... J'ai plus de balles de TMP, ça c'est très chiant. C'était vraiment, vraiment pas évident, les gars. On l'a réussi. On l'a réussi à force d'insister, tout simplement. Bon, au final, on est mort qu'une fois. C'est... Enfin, Ashley. Enfin, non, même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est vrai qu'il m'avait bloqué le chemin. Je peux le récupérer, par contre? Genre, vraiment pas? Ça non plus, je suppose? Sérieux ou... Vous vous foutez de ma gueule, les gars, là, c'est une blague? Il y avait un truc dans un seau, à un moment, là. Je sais plus où il était. Je sais pas, je vais essayer de le choper. Je vais essayer de le choper. Ah, il y a encore les trésors, il y a encore les balles de flingue. Ça, c'est pas mal, ça. Merci à vous. Ok, reload, va falloir que je... Peut-être le caillou peut lâcher quelque chose. Ah mais non, il va pas le casser. Ah mais non, j'ai été con. Non, c'est bon, on peut faire le toit. J'allais dire, j'étais complètement stupide. Ok, mais j'avais vu un seau qui brille. Ah, il est là, salopard. Putain, alors là, pour viser ce bordel... Ok... Qu'est-ce que c'est? Yes! La gemme pourpre! Ça, c'est pas mal, ça. Ok, les gars. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les trésors. Ça, c'est cool. Ça va encore donner de la valeur. Je crois que j'ai loupé un gemme. Hein. J'en suis quasi sûr. J'en suis quasi persuadé. Ouais, le vert. Je sais pas du tout où il était. Ah, il était sûrement dans la phase de nuit. Peut-être... Mon objectif, c'est ici. Ok. Peut-être ici, non? Je sais pas ce que vous en pensez. À mon avis, il doit être ici. Hein. Je pense qu'il est... Ah, quoique, attendez. On va le prendre, là, de toute façon, mes couilles, là. Ok, je sais pas du tout. On va voir. Bon, quoi qu'il en soit, on a réussi cette épreuve assez compliquée. On a fait les deux, on a tenté le beau jeu, c'est plutôt cool. Et comme par hasard, c'était pas par ici la sortie.
C'était derrière, me semble-t-il, mais attendez, mais toutes les portes se ressemblent, ça casse les couilles. Bon, attendez, hé, là, les gars, je vais péter un câble. Bougez pas, elle est où, la sortie? Putain, elle était derrière, merde! Pourquoi vous mettez les mêmes portes? Pourquoi elle est pas rouge, cette porte? Et en plus, on aurait pu ne même pas le tuer, parce qu'il avait fait tomber la clé bien avant. Il avait fait tomber la clé bien avant, donc au final, c'était pas forcément... pas forcément worse. Il n'y a plus de trésor, en fait, vous me confirmez vite fait. Bougez pas. Ok, il n'y a plus de trésor. Bon, on est parti, les mecs. Direction la suite de notre incroyable aventure. J'ai ouvert les deux portes, comme ça, on a double accès. Voilà, on se fait des plaisirs, on apprécie. Ok, le vendeur, il est où? Il y a un vendeur ici, non? Par contre, où? J'en ai strictement aucune idée. J'aimerais bien une petite herbe... Une petite herbe aromatisée de type jaune, ça serait pas mal. Ah, il est là-haut, salut frérot. Ok, bougez pas, je vais éviter ça. Peut-être quelque chose d'intéressant là-dedans. Yes, machine à écrire. Ok, on va pouvoir sauvegarder... Oh, qu'est-ce que c'est? Défense du village. J'ai sous-estimé la qualité de l'agent américain, il est toujours vivant. Je pensais que nous pouvions attendre l'éclosion de l'œuf dans son corps, mais à ce rythme, il risque de détruire tout le village avant. Nous devons régler ce problème. Je vous avais dit, les gars, que je suis américain et que j'arrache tout. J'en ai rien à foutre, moi. Nous allons devoir changer nos priorités. Pour l'instant, cessons de rechercher Louis et tendons une embuscade aux deux Américains. Une cabane sert à torturer les traîtres près de la sortie de l'ascenseur. C'est l'endroit idéal pour tendre un guet-apens. S'ils survivent, ils devront profiter pour franchir le dernier portail qui mène hors de ce village. Car ce portail ne peut s'ouvrir que sous mes yeux. Yes. Yes, papa. Ok, c'est compris. J'espère que c'est pigé pour vous. On va aller sauvegarder. On va peut-être voir le vendeur avant. On va aller voir le vendeur quand même. Et on va aller enregistrer la partie. Et puis on va s'arrêter là. Je pense qu'on aura fait, notre boulot, les amis. On aura fait ce qu'il fallait, de toute façon. Ok, tu n'as rien à me proposer en optimisation d'intéressant. Super sympa de ta part, un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Bah, tiens à te faire foutre, hein, parce que là, ça va. Tu me sers strictement à rien ici, et c'est très relou. Ok, on va sauvegarder, et on va s'arrêter là. N'oubliez pas de laisser les commentaires. Prochaine vidéo. Bon, là, c'était une vidéo un petit peu... on n'a pas avancé au final, parce qu'on a fait les deux étapes cruciales. Mais, prochaine vidéo... On va... Ah, c'est fermé ici. Oh putain, oui, d'accord. Ça appartient en couille de ouf. Bah, prochaine vidéo, je pense que c'est un boss. Hein, je vous le dis très clairement. Donc, ça va être fou. Et on va littéralement changer d'environnement. Je vous dis à très bientôt. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.